تحس مثل جذر نظام صغير عاوني d'être là. On est toujours heureux de vous accueillir ici. Extrait de l'album Voyage d'une mélodie que Enrico chantera à l'Olympia du 24 au 27 mars. Merci d'être là. Je vous ai observé, là, vous aviez l'air étonné de voir à quel point il prononçait bien le berbère. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le deuxième couplet, je l'avais un petit peu aménagé de façon à ce qu'il ne soit pas trop difficile pour lui. Ouais. Et là, hier, quand je suis arrivé, c'est ce qu'il me dit... Mais tu sais que même ton couplet, je ne le connais pas, le charisme, mais à me le chanter. Donc, je t'avais vraiment épaté. Vous êtes originaire d'un village de Kabylie. Oui. Lui est de Constantine. C'était très éloigné, géographiquement. Non, parce que Bougie, par exemple, la petite Kabylie, c'était très près de chez moi. Très près de chez moi. D'ailleurs, moi, je passais tout le temps par Bougie pour aller à Alger. C'est parce que c'est, je crois... Tu passes par Bougie pour aller à Alger, toi ? Oui, je passais par Bougie. Tu prends à gauche et tu vas tout droit. Oui, oui, oui. Je passais par la côte. Par la J'adorais. Parce que nous avons une côte en Algérie absolument fantastique, plus belle que le Copacabana au Brésil. Alors, il dit, vous avez toujours milité pour la reconnaissance de la culture berbère. Oui. Hein? Quand vous chantez, quand vous êtes en tournée en ce moment, vous êtes un peu partout, à Saint-Étienne, à Marseille, à Cassonne, Strasbourg, le public qui est là connaît ces chansons, ils chantent avec vous. Quel est le public qui vient vous applaudir? Au départ, c'était le public communautaire, quand je suis arrivé en France. Oui. Puis par la suite, comme j'ai fait des duos, un peu comme celui que je fais avec Enrico, j'ai pu, disons, avoir un public beaucoup plus large. Et puis avec l'avènement de ce qu'ils appellent la world music, il y a les curieux, les attentifs, ceux qui veulent découvrir, donc ce qui fait qu'on a un public assez élargi, assez grand. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que ces chansons se chantent à l'étranger? Oui, j'ai des versions de mes chansons qui m'arrivent comme ça. Qui voyagent un peu? Oui. Qui traversent les mers? Ça traverse les mers, ça va aux États-Unis, ça va jusqu'à Londres, ça va même en Ouzbékistan là-bas. Son premier tube, moi je l'ai entendu, même aux États-Unis. À Vavaï, nous voilà. Oui, je l'ai entendu aux États-Unis. Et à chaque fois que je fredonne cette chanson,
Les gens la connaissent. Elle est connue mondialement, cette chanson. Tu peux me la fredonner? Vous voulez me la fredonner ensemble, tous les deux? Lui. Mais je vais le suivre. Merci, Idir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment.